Et voici une caméra extérieure connectée ultra performante. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Et aujourd'hui, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une caméra extérieure. Ici, il s'agit donc de la C8C 3K. De la fameuse marque S-Viz. Et d'ailleurs, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter une nouvelle fois cette marque S-Viz, puisque je t'ai déjà présenté deux caméras de cette marque-là sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, le lien de cette vidéo est dans la description. Il s'agit donc d'une entreprise américaine spécialisée dans les caméras de surveillance. Et comme tu peux le voir ici, l'intérêt, c'est que nous avons une caméra, bien entendu, 360 avec à l'arrière et eh bien un gros haut-parleur avec aussi à l'avant et eh bien des LED qui vont permettre de pouvoir bien éclairer, et ça vraiment on va le voir, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Et bien entendu avec la vision nocturne, peut aussi bien voir de jour que de nuit, donc ça c'est tip top. Et puis en plus de ça, aujourd'hui c'est vrai que, et ça ils le font très bien S-Viz, je le vois aussi depuis l'application mobile avec les notifications, et eh bien c'est la détection de forme humaine, c'est à dire que ça intègre vraiment la caméra de l'intelligence artificielle qui va permettre simplement de détecter s'il y a une présence humaine pour éviter des détections inutiles comme par exemple un animal. On a une résolution de 3K, le type de connecteur ici c'est sur du Wi-Fi, compatible avec une carte micro SD jusqu'à 512 Go, donc bien entendu non incluse ici. Une technologie de compression H.265, donc ça c'est fait exprès pour une utilisation réduite de la bande passante et du stockage. Vision nocturne, comme je te l'ai dit, on va avoir trois modes de vision nocturne, y compris vision nocturne ici en couleur avec projecteur, puisque vraiment on va le voir de toute façon durant la phase test, et eh bien ça éclaire super bien. La détection de mouvement, donc ici IA, donc de l'intelligence artificielle intégrée pour la détection de formes humaines et de véhicules, détecte aussi la présence de véhicules, et ça c'est un sacré plus. On a de l'audio bidirectionnel, bien entendu, permet de communiquer avec des visiteurs ou d'alerter les intrus, c'est à dire qu'on a un haut-parleur et on a aussi un micro directement intégré ici dans la caméra. Angle de visualisation ici c'est 360 degrés. Indice de protection, on est bien entendu sur de l'IP65, donc résistant aux intempéries pour une utilisation extérieure. On va retrouver aussi fonction spéciale, suivi automatique par zoom et défense active avec sirène et lumière clignotante lors de la détection. J'arrête de blablater maintenant et c'est parti pour la phase test. Bien, c'est parti pour la phase test ici de la caméra de la C8C 3K. Mais avant, voilà, petite parenthèse, et eh bien je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube la HB8 qui est juste ici, que j'utilise aussi hein, depuis 6 mois environ, et franchement fonctionne super bien. On va zoomer un peu dessus pour te montrer la HB8, voilà, aussi bien positionné. Donc la vidéo, n'hésitez pas, elle est sur YouTube, voilà, juste ici, la HB8 avec la E6 et la E6 qui est dans la maison que je vais vous montrer, qui est située à côté de la télé, voilà, qui fonctionne aussi très bien. Et bien maintenant on va donc parler de la C8C 3K. D'ailleurs vraiment la qualité d'image, elle se voit vraiment depuis l'application mobile. La qualité est vraiment impressionnante puisqu'on peut vraiment zoomer. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Donc c'est parti, je te superpose l'écran, je te superpose aussi l'application mobile. Je me connecte là maintenant, il y a le Face ID comme toujours. On peut voir que j'ai plusieurs caméras forcément. J'ai la C8C tout en haut, la HB8, et j'ai aussi la E6 qui est ici en mode confidentialité. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est la C8C. Et comme tu peux l'entendre, on entend que le micro fonctionne bien. Donc je l'ai positionné juste ici. On a bien entendu le câble d'alimentation. Alors peut-être la seule chose que je pourrais demander, c'est d'avoir un câble d'alimentation un petit peu plus long. Voilà, comme tu peux le voir, je trouve que le câble est un petit peu court. Et j'aurais aimé, c'est la seule petite chose que j'aurais aimé, voilà. Alors, quand on regarde sur l'application mobile, donc, on va rester comme ça. Je peux donc plus ou moins me mettre un peu, tu vois, en grand écran. Et comme tu peux le voir, j'ai un zoom automatique qui se fait, puisqu'ici, j'ai activé, en fait, ici, la détection d'humain. C'est-à-dire que si je me déplace un petit peu, globalement, une fois que je m'arrête, eh bien, on voit que ça zoome sur moi. Et dès que je m'éloigne un petit peu, normalement, il va dézoomer. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment plutôt fonctionnel.
C'est vrai que la qualité, je la trouve vraiment bonne, puisque comme tu peux le voir, je peux zoomer. Voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment une bonne transmission, puisque tu vois, je bouge, je trouve que c'est pas non plus hyper laggy, hein. Il y a vraiment une bonne qualité. Voilà, donc là ça zoome aussi. Et si j'ai envie, je peux repasser en grand écran ou je peux repasser en mode zoom sur la personne en question. Donc franchement, on voit déjà qu'il y a une bonne qualité d'image. Honnêtement, ça me surprend pas, hein, concernant la marque S-Vis, parce que franchement, rien à dire, tip top. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est je vais me remettre en normal. On va mettre le son, on va voir si le micro fonctionne bien. Nickel, alors on aura un peu de résonance, ce qui est normal, hein, parce que je suis à côté. Mais en tout cas, on entend bien que le micro ici fonctionne bien. Donc comme tu peux le voir tout en bas à gauche, nous avons la possibilité de prendre une capture, donc une photo sur le moment. Il est possible aussi, comme tu peux le voir là, d'appuyer sur sauvegarde, donc d'enregistrer, hein, de le faire manuellement. Et ça c'est cool parce que comme tu peux le voir, eh bien ce sont des boutons qui sont hyper faciles. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller sur je ne sais quoi, etc. Là, on a accès à tous les boutons. On a PTZ, donc ici c'est la possibilité aussi, eh bien, de bouger ici la caméra. Et en fait, ce qui est vraiment bien, d'ailleurs, on voit la caméra là qui bouge, hein. Regarde ça, on voit qu'elle bouge. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est aussi la possibilité d'enregistrer une position. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur la petite étoile, nous avons favori. Et là, je peux nommer l'emplacement. Et en fait, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté. C'est-à-dire que quand je vais en haut à droite dans la petite étoile, eh bien, nous avons déjà des favoris enregistrés. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur voiture, hop, donc ici, il va se mettre automatiquement sur la voiture. Si je veux qu'il fasse la terrasse, eh bien là, il va se repositionner et il va aller viser la terrasse. Donc, c'est ça aussi le but de la caméra, bien entendu. C'est pouvoir aussi se déplacer très rapidement sur la forme humaine. Comme tu peux le voir, il va zoomer automatiquement sur moi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il peut détecter, bien entendu, la présence, eh bien, aussi d'une voiture. Donc, ma voiture qui est juste ici, voilà. Je vais te montrer ça, on va tout en haut à droite, là dans les paramètres. Je clique dessus, j'ai détection intelligente, je clique dessus. Et comme tu peux le voir ici, j'ai détection de forme humaine, détection de véhicule. Donc détection de forme humaine, c'est activé. Et nous avons détection de véhicule. D'ailleurs, quand je vais à propos, en fait, on aura une petite animation qui va montrer, par exemple ici, le véhicule. Et lorsque le véhicule va bouger, il y a une détection qui se fait. Et donc, par exemple ici, c'est top parce que je peux avoir mon véhicule là. Et si jamais le véhicule, imaginons, il bouge, eh bien, il y a une détection qui va se faire. Nous avons aussi la détection du changement d'image que je peux ajouter. Donc là aussi, imaginons, je fais appliquer et je clique sur détection du changement d'image. Donc ici, je peux sélectionner une zone en question de détection ou supprimer une zone, imaginons. Et donc là, je peux aussi choisir la sensibilité, basse, moyenne ou haute. Alors moi, personnellement, je préfère désactiver cette option-là parce que en fait, je trouve que la détection de forme humaine et la détection de véhicule, c'est parfait. Comme ça, en fait, tu vas pas recevoir des notifications inutiles. Ça peut être un animal ou ça peut même avec du vent ou même des araignées qui peuvent se poser devant la caméra, ce genre de choses, ou des bêtes, en fait. Donc, ça peut créer du mouvement devant la caméra. Et moi, j'aime bien quand il y a l'intelligence artificielle qui permet de détecter la présence d'une forme humaine. Voilà. Donc, ça, je trouve ça top. Ou le véhicule qui bouge, imaginons. Le haut-parleur. J'appuie sur le haut-parleur et tu vas voir, le son est vraiment fort. Alors, il risque d'avoir de la résonance. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Ok, allô, allô. Allô, voilà, il y a vraiment un haut-parleur qui est vraiment pas mal. Donc ça, j'aime beaucoup. Je trouve que franchement, il est... C'est sûr, tu l'entends bien. Voilà. Donc ça, tu peux l'utiliser lors d'une détection. Ou imaginons aussi, il y a un livreur, il y a quelqu'un qui arrive et tu dois lui parler. Le meilleur moyen, moi, j'ai déjà utilisé, en fait, c'est le haut-parleur de la caméra. Voilà. Donc moi, je suis en quad HD+. Donc franchement, la qualité d'image est vraiment excellente. Par exemple, ici, de jour ou de nuit, hein, je te montrerai de nuit aussi. Tu vois vraiment la qualité, je la trouve vraiment très bonne. C'est très fluide. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, je fais petit marche arrière. Donc, nous avons aussi veille. Donc là, ici, c'est tout simplement mettre en veille. Donc, c'est activé. Donc, on a la caméra, comme tu peux le voir, qui change un petit peu de position en veille et qui, en fait, est un petit peu désactivée. Donc, je peux réactiver. Et là, hop, la caméra se remet automatiquement sur la position que je lui ai demandé précédemment. Donc ça, c'est top. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Image à 360, c'est-à-dire je peux lui demander de prendre une photo 360. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. Nous avons aussi l'alarme. Je vais te faire écouter ça.
avec aussi la petite lumière. Alors, ça reste correct. On a le projecteur, donc ça c'est cool, pendant 3 minutes en fait, comme tu peux le voir, l'éclairage, eh bien il est allumé. Et ça c'est pratique des fois le soir, même en dehors honnêtement, tout simplement d'une utilisation pour une détection. Juste le soir quand tu arrives comme ça, tranquillement en voiture et tout, et il y a la détection qui se fait, et eh ben en fait les LED vont s'allumer. Et ça c'est vraiment cool, où je peux l'allumer manuellement, là je peux désactiver. Et ça je trouve que c'est vraiment une super bonne chose, parce que ça va éclairer la pièce, voilà tout simplement. Maintenant nous allons donc activer la caméra, hein. Donc c'est très facile, j'appuie sur les 3 petits points ici, et je vais tout simplement activer, voilà, l'alarme. Donc en fait ici, bah, tout simplement comme on peut le voir, il n'y a personne sur la terrasse. Et donc dès que je vais arriver devant, je vais normalement recevoir une notification. Donc on bouge un petit peu sur la terrasse. On arrive ici. Et là, comme tu peux le voir, alarme de détection intelligente. Donc ici, intelligente, pourquoi? Bah parce qu'il y a la détection de forme humaine. J'ai reçu 2 notifications, j'ai une lecture aussi. Donc voilà, tout de suite ça m'emmène. J'appuie donc sur direct. Et donc là, on peut reprendre directement le live. Alors, c'est possible de mettre une carte micro SD, je ne l'ai pas encore fait, je pense que je vais le faire. Ou alors, il est possible directement d'enregistrer sur le cloud si besoin. SViz propose ce service-là, comme tu peux voir, avec le Cloud Play. Bon, et bien c'est parti pour la phase test ici, durant l'obscurité. Donc, je vais bouger maintenant. Et nous avons la détection qui se fait très rapidement ici avec la HB8 que je t'ai présentée sur ma chaîne YouTube. Regarde l'éclairage, vraiment on voit bien ici la terrasse. C'est assez bluffant, on voit même mon ombre hein, finalement. Vraiment impressionnant. Je voulais aussi te montrer celle-là, ça montre vraiment la qualité ici de l'éclairage. Et maintenant on va tester la HB8. Donc on peut voir ici la caméra, on se met devant, la détection se fait. Et regarde-moi cette puissance, puisqu'on voit aussi bien. Et en plus de ça, avec la HB8, on a vraiment la terrasse ici, qui est carrément, on voit la voiture, on a les panneaux solaires et tout, on voit vraiment super bien. Alors, c'est vrai que j'ai aussi mes petites lumières en plus, qui fonctionnent avec panneaux solaires. Mais globalement, quand on regarde comme ça, ça éclaire super bien. Oh là là, regardez la terrasse éclairée ici avec la C8C et la HB8. C'est ouf. Ah ouais, ça éclaire super bien, attends. Oh, waouh, impressionnant. Plus discrètement possible. La détection qui se fait. Pas mal, hein. Parce que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je suis à peu près à 11 mètres. Donc la détection, hein, franchement, nickel. Hein, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le C8C3K de la marque SViz. Alors, il n'y a pas eu une énorme surprise dans le sens où j'ai déjà testé 2 caméras de leur marque. Et franchement, je suis très bluffé. C'est vraiment de très bonne qualité. Donc là, je me suis dit tout de suite, de toute façon, voilà, on va avoir une présence de marque, de la qualité en termes de hardware, en termes de software. L'application mobile, elle est vraiment tip top, elle se met aussi à jour régulièrement. Voilà, on a de bonnes fonctionnalités, c'est fluide, la caméra, elle répond super bien. Donc vraiment super sympa. On a aussi la possibilité de tourner en 360, on a un très très bon éclairage. Je trouve vraiment que l'éclairage que propose SViz sur leur caméra de surveillance sont vraiment puissantes comparées à pas mal de concurrents. Et donc concernant son tarif, il est au prix donc de 99,99€ sur Amazon. Mais très important, en fait, il est actuellement en promotion à environ 79,99€. Donc, ça dépendra peut-être des promotions et tout. N'hésitez pas à checker, à profiter, voilà, de ces réductions. Vraiment, tip top, pas grand-chose à dire. Pour moi, SViz, c'est une très bonne marque. Donc, ça, c'est important aussi d'aller vers des produits de qualité. Voilà, ça, c'est la base. Qui vont développer, voilà, des bons hardware derrière une bonne application mobile et tout pour que tout puisse être, bien entendu, fluide, rapide lors de l'utilisation fonctionnelle. Et donc ici c'est le cas, donc honnêtement c'est une excellente caméra à 79€. Franchement, les yeux fermés, vous ne serez pas du tout déçus, même je pense honnêtement de la marque d'un point de vue général. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aller mes vidéos parce que tu vas
kiffé.